à 10 mois. Est-ce qu'un jour, en faisant les rapports avec ton gars, c'est entré par derrière, par accident? Point d'interrogation. Question piquante, dis-nous. Comment par derrière, par accident? Je sais qu'en toute chose, quand tu veux faire les rapports avec ton mari, on ne dit pas ça va, ça entrait par accident. Non, vous entendez, il n'y a pas que ça entrait par accident, que non, non, non. Ils ne sont pas quand même des enfants, ils sont quand même des humains. Hein? Oui, avant de faire toutes choses, on va s'arranger. Oui. Ça gratte la bamba là, tu sais comment pour te soulager. Point d'interrogation. Quand ça gratte, tu as envie. Je reste comme ça parce que je ne suis pas du genre à trop forcer les trucs. Je reste comme ça, tant pis. Je ne suis pas du ce genre. Moi, quand ça gratte la bamba là, tu sais comment pour te soulager. Point d'interrogation. Ah, supporte-moi. Supporte-moi, pas ma moto doucement, et pas voir. Il y a ceux qui parlent de masturbation. La masturbation, elle est interdite. Dans la Bible, moi, je suis chrétienne. Ouais, je ne pratique pas ça. Attends, Yolande, dis-moi, et si entre-temps ton gars, lui, n'est pas là, tu fais comment? Non, tout se passe dans la tête, en fait. On peut gérer les émotions. Oui, ne laisse pas les émotions prendre le dessus sur toi. Tu peux gérer tes émotions et puis tu t'en sors et puis ça, c'est passager, ça passe. Wow. Donc même si le gars est chanceux. Donc si tu n'es pas là, tu patientes. Oui, on va patienter. Moi, quand ça gratte la bamba, là, tu vas te soulager. Point d'interrogation. Ah, supporte-moi. Supporte-moi, n'est pas ma moto doucement et pas voir. Non, dis-moi, ton gars lui n'est pas là, il a voyagé, il a fait 6 mois. Toi tu restes au Cameroun là, tu as envie, tu fais comment? Ça gratte. Like it. Et c'est la glace. Attends, dis-moi, la glace fait comment? Ah, ça me soulage, tu sais que ça anime ton cerveau, ça te fait faire des erreurs. Tu as envie de faire beaucoup de choses à la fois, tu es un peu excité, pas excité dans le sens essentiel, mais oui. À faire beaucoup de trucs. Donc tu oublies un peu le côté sexuel. Ah bon? Donc la glace te fait oublier. Mm-hmm. Ah. Les deux filles. Ah, les deux filles? Oui. Wow. C'est-à-dire que le gars peut-être qu'il a voyagé, il est en vie, tu tues tes doigts. Mm-hmm, elle n'est pas là. Bon, et avec ça, tu... Bon, bon, c'est pas que ça te fait juste que j'ai joué, c'est tout. Ton souci, c'est que ça se l'on la sent un peu là. Non, parce que je sens aussi un peu le mounyengue. Bien après, si j'ai joué, c'était bon. Quand ça gratte la bamba là, tu fais comment pour te soulager? Point d'interrogation. Rien comment? Je supporte. Tu supportes. Non, le gars n'est pas là. Voilà. Tu as vraiment envie de le faire. Tu fais comment? Je supporte. Yo, tu supportes. Oui. Attends, est-ce qu'il t'est pas arrivé un jour de réfléchir à autre chose? Non. Ah bon? Mm-hmm. Non, mais si ton gars lui fait 6 mois, vous pas là. Tu vas attendre. Tu attends. Ouais, c'est spécial, moi. Oh. Ah bon? Oui. Wow. On a 10 mois. Est-ce qu'un jour, en faisant les rapports avec ton gars, c'est entré par derrière, par accident? Point d'interrogation. Hmm. Dis-nous, Sonia. Comment par derrière, par accident? Oui, à glisser, c'est entré par derrière. C'est qu'en toute chose, quand tu veux faire les rapports avec ton mari, on ne dit pas ça va, ça entré par accident. Non, vous entendez, il n'y a pas que ça entré par accident, que non, non, non. Ils ne sont pas quand même des enfants, ils sont quand même des humains. Mm-hmm, hein? Avant de faire toutes choses, on doit s'arranger. Mmh, ça fait si peu taper quelqu'un. Ah, les deux filles. Oui. Wow. C'est-à-dire que le gars peut-être qu'il a voyagé, il est en vie. Tu tues tes doigts. Mm-hmm, elle n'est pas là. Bon, et avec ça, tu. Bon, ça, tu... Oui. Bon, c'est pas que ça te fait juste que j'ai joué, c'est tout. Ton souci, c'est que ça se l'on la sent un peu là. Non, parce que je sens aussi un peu le mounyengue. Bien après, si j'ai joué, c'était bon. Et quand tu fais ça, quelle est la position que toi tu préfères le plus? Mm. Moi, j'aime la position. À cheval. C'est-à-dire, heureusement, toutes les filles aiment à cheval. Non, sérieusement, dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît sur la position à cheval? Je ne comprends pas. Tout le monde aime à cheval. Je ne comprends pas. Bon, à cheval, bon, ça m'excite vite et je suis plus rapidement. Oh. Par derrière, c'est plus excitant, quoi. Si le démon. Oui. Je veux le faire par derrière. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vas accepter? J'accepte. Oh. Ah bon? Quand tu fais les choses avec ton mec, est-ce que c'est déjà entré par derrière, par accident?
Oui. Ouh. Oui. Oui. Ah oui. Ça, ça a son goût, hein. J'ai trouvé la sensation un peu... C'était pas très bien par rapport... Eh oui. Mais... C'est pas... C'est pas... C'est pas en profondeur. Ça m'a fait mal. Bon, j'ai... La laissé. Dis-moi, et quelle est la position que tu préfères le plus? Moi, j'aime la position... À cheval. Ouh. Il y a une position là. Je sais pas trop. La femme écarte les pieds comme ça et... Position couchée. Oui, missionnaire, j'aime bien. Dis-moi, quand tu fais les choses avec ton mec, est-ce que c'est déjà entré par derrière, par accident? Point d'interrogation. Oui, oui. Oui, oui. Et dis-moi, quelle était l'expérience? Bon, j'ai pas trop aimé parce que j'aime pas déjà cela. Moi, j'ai pas trop aimé quand même. Dis la vérité. Mais ça, ça a son goût, hein. Ça a son goût, hein. Blondé, dis-moi. Quand tu as fait le faire, oui là. Dis-moi, quand ça entre, quel est le cri que tu prononces, alors le mot que tu prononces? Point d'interrogation. Dis-nous. Parce que parfois, nous, là, on ne connaît pas ce qu'on va dire. Pourquoi le gars nous laisse pas ailleurs? Non. Maman, que tu es mourant. Quand tu dis au gars, non, ça l'encourage en fait. En fait, le mot là, je ne sais pas comment je peux dire cela. Dis-nous. Ah bon, ouais. Genre. Ou bien, tu vois, c'est un mot. C'est vraiment comme ça. Oui, comment? Comme ce que tu as fait. Non, ça, tu sais, je vois. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Appelle, je fais A. Ah. Appelle, je fais A. Ah. En fait, je fais A. Ah. Mais pour moi, j'aime quand on me doit d'abord. Eh oui. Parce que quand on me doit d'abord, c'est pour ne pas me blesser aussi. Mmh. Bravo, bravo. Mmh. Et je veux dire quoi, quand il te doit, tu utilises un doigt, deux doigts, comment? Explique-nous. Point d'interrogation. Ça va dépendre. Et dans l'âge de... Bon, pour moi, quand il me doit au trop, c'est trois doigts. Quel est le cri ou le mot que tu prononces quand ça a... Point d'interrogation. Le cri ou le mot. Putain. Putain. C'est putain, c'est ça que j'aime dire. Quoi? C'est le quoi? C'est putain, c'est ça que j'aime dire. Putain. Attends, Davina, dis-moi. Toi, tu dis, donc c'est, je peux dire que ça entre, dès qu'il fait un bah. C'est mince, putain, mince, putain. Quand tu fais le wesh avec ton gars, au moment qu'il entre là, maman, quel est le mot que tu prononces? Point d'interrogation. Non, attends, tu vas me tuer aujourd'hui, tu es ancré dans mon intimité, tu ne fais que pénétrer, tu ne fais que pénétrer. Au fait, je vois que c'est les filles que quand le gars fait, elles sont là, elles sont bien. Donc, tu vois que le gars, lui, n'est pas satisfait. C'est ça que tu as demandé. Tu peux te reprendre quand tu dis n'importe quoi. Je ne trouve pas ça assez joli. Moi, c'est tout le moment où... Et non, je peux quand même gémir un peu, hein, mais le cri, quand même, je crie. Merci. Tu aimes quand on te doit ou quand on te lèche? Point d'interrogation. Aucun des deux. Aucun des deux. Dis la vérité. Aucun des deux. Donc, tout ça, pour ça. Lèche la honte. Aucun des deux. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que si là, je vous réserve des surprises. À plus.